Qui a été offert à une asso de la commune de Bourgogne et à pour participer. Concernant le statut de Fatapé, nous allons rentrer dans le programme de la journée. Monsieur le maire, le chef de village étant déjà acteur, il a préféré donner l'honneur directement au maire pour la cérémonie. Donc, en résumé, tout ça, il y aura Monsieur le chef du village de Arahabou et tous les chefs du village de la commune de Gouzéré qui sont présents ici, je vous dis, soyez les bienvenus à Arahabou. La cérémonie qui nous réunit ici est une cérémonie grandiose à nos yeux. Parce que compte tenu de la situation cette année de notre commune, de la situation de crise alimentaire, qui est connu par tout le monde. Vraiment, je crois que organiser une cérémonie de remise d'une banque de céréales à Arahabou, je crois que c'est salutaire. Et moi, je souhaiterais que cette cérémonie se passe dans tous les villages qui constituent la commune rurale de Gonzéré. Parce que cette année, c'est une année exceptionnelle, c'est une année où vraiment nous sentons une pénurie alimentaire qui vraiment file à l'horizon. Parce que tout simplement, vous avez constaté, les gens, malgré la misère, malgré la pauvreté, ils ont travaillé, mais hélas, la pluie n'a pas donné résultat. Donc, ce qui crée vraiment une grave situation alimentaire au niveau de la commune rurale de Gonzéré. Et je n'appelle à tous, à toutes et à tous, à toutes les bonnes volontés, aux ONG, à l'État même, vraiment d'y veiller. Parce que
nous sommes là, tout le monde est revenu, tout le monde veut vivre en paix, tout le monde veut vraiment développer, mais les gens ne peuvent pas développer vraiment sans situation alimentaire. Donc vraiment, mon commandant, soyez pour nous un messager auprès, n'est-ce pas, des barres de fond, auprès des ONG, auprès de tous ceux qui peuvent vraiment apporter leur aide par rapport à notre situation alimentaire. Donc, sur ce, monsieur le préfet, je vous souhaite la bienvenue à Rahabou et que la journée soit bonne. D'accord. Il s'agit d'approvisionner régulièrement en céréales 314 ménages du village de Rahabou. D'urgence. Parce que nous avons un programme pour Kendi, c'est un programme d'urgence. Programme d'urgence, c'est un programme d'urgence. Nous avons un milliard d'euros. Nous avons un milliard d'euros. Nous avons tout le temps. L'ouverture de ce nouveau chantier, qu'est l'approvisionnement des populations du village en denrées de première nécessité et à moindre coût après 9 mois d'occupation, vient encore nous confirmer l'importance d'un tel éveil pour l'accompagnement de l'État dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La cérémonie de lancement a été sanctionnée par la visite de la banque de céréales déjà ouverte. Ouertem Gao, Boubacar Babelin Touré, Moussa Ballo.